Oh, ça commence par une lettre. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège de Poudlard a été acceptée. Ah, mais on commence 5e année dans le jeu. Oh. Ah, fallait faire un perso. Je pensais que j'allais jouer direct. Oh. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Eh, regardez comment je suis beau gosse. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Attends, je suis en 5e année, je connais pas de sort. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Merci, professeur Fig. Et c'est même pas ma baguette. Waouh. Oh, c'est stylé ça. Oh, Eléazar. Georges. C'est qui lui? Je suis ravi que... Attends, mais je suis plus grand qu'eux. Je suis censé être un élève à la base. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Oh, comment c'est stylé. Je suis ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Putain, trop bien, mais en fait, on y va en calèche. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, il manque des chevaux, là, je crois. Les gars, il manque du budget, là. What the fuck? Vous avez vu? Oh là là, c'est tellement stylé. Puis les musiques, mais un hibou. De t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Oui monsieur, j'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Salut, je m'appelle Lino, j'ai 35 ans, je rentre à Poudlard. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début. Attends, mais j'ai 4 ans de retard. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur. C'est pour ça que je souris pour rien. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Ah, il est du ministère, lui? Aurais-tu vu cela? Ah oui, d'accord. Je... Oula, oh putain, c'est un gobelin, ça. Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... Qu'est-ce qu'il regarde? Sérieuse. Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam? Comment? C'est qui, Myriam? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle est morte? Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. J'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Je pense qu'il est un peu bourré. Hein. Faites pas gaffe, s'il vous plaît. Ah, autant pour moi, il disait vrai. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez. Waouh! Oh, s'il s'est fait dégommer! Oh! Ah ouais, il voulait vraiment pas qu'il revienne dans l'épisode, quoi. Oh, d'accord! Ok! On les voit maintenant! D'accord, tout le monde survit sauf le caméraman. Super. Oh, il est trop mignon. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. On
Voilà, il me donne du vernis pour me soigner. Ça me remettra sur pied en un rien de temps. T'inquiète, je vais tout boire. Et bois, wesh. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Ah bah Georges, il est mort. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? C'est un dragon quand même, je... Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Ah, c'est un porte au loin! Celui qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. C'est bon, je peux me lever? Super. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Oh, mais ça pète les yeux, on voit rien! Ah oui, d'accord. On est où là? Mais où ce porte loin nous a-t-il emmené? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez... Que le porte loin devait nous emmener ici? Bien sûr. On n'entend rien, on leur voit là. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. On n'a pas le choix, on va pas rester là à se regarder, frère. Oh, il court! Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Ok, qu'est-ce que c'est du coup ça? Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Je crois que t'as oublié que je suis un cinquième année qui n'a jamais été à Poudlard et qui n'a pas de... Oh mais j'ai un sort! C'est quoi ça? Wow! Ah ouais! Oh, stylé. Oh oui! Putain, on peut tout péter. Wouah, le mec est trop chaud. Je peux pas le vider. C'est pas moi. Merci, monsieur. Eh, franchement, les animations sont vraiment pas mal, hein. Ah, je crois que j'ai tué un oiseau sans faire exprès. Désolé. Mais pourquoi on est sur cette île? C'est vraiment chelou, je comprends pas le début, là. Pour quelle raison? Réparo. Waouh! Waouh! Ah ouais! Non mais ça blague plus! Le frérot vient de réparer un pont. Il a 150 ans quand même. Et je parlais pas du pont. C'est bon, je rigole. Oh! Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ouais. Ok, faut que j'aille là-bas. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? Je peux tirer dessus? C'est quoi ça? Professeur Fig! Oh. Oula. Viens voir vite fait, s'il te plaît, il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur! Comme sur le réceptacle du porte au loin. Ok. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? What the fuck? On est où là? C'est quoi ce bruit horrible? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quelqu'un? Ah, c'est un gobelin! Wesh, il veut pas se réveiller. Réveille-toi, wesh! Eh hey, frère, on essaie de te réveiller depuis tout à l'heure. Hein. C'est impossible! Oh, la tête qu'il a! Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Comment? Porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Mais comment je sais ça? Moi, je suis pas au courant, frère. Oh, le menteur! Par ici, suivez-moi. Mais le gobelin, je crois qu'il nous connaît, hein. Oh, non, t'es mal, non!
Oh là là. Oh. Non mais regardez-moi ça quoi. Wow, Dima. Ouais, c'est un parc d'attractions, c'est Disney frère. Oula, c'est qui lui? Il y a vraiment un policier gobelin. Numéro du coffre. Oh, il est vénère. Coffre 12. Et quelle journée. Ah, j'ai pas envie d'aller armer. Bon, allez-y. Il est flippant quand même lui, hein. Ok. Ah ouais, il a son petit rail à lui et tout. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loi, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. C'est vrai qu'il c'était rouge aussi. Nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. On est arrivé? Enfin? Putain, c'était long. Ok. Nous y sommes. Oh, les petits boules. Oh, c'est stylé. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous les pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Comment? Mais... Oh le bâtard! Attends, il a vraiment... Ok. Professeur, je ne m'attendais certainement pas à cela. Menteur, t'es dans le script! Bien sûr que t'es au courant! Il doit bien y avoir une issue quelque part. Ah, on a vu un truc trembler là-bas. Révélio, peut-être. Révélio? Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Levez votre baguette. Wouah! Attends, j'en prends une baguette. Ah oui, d'accord, regardez, je peux tourner. Ok, faut appuyer sur espace. Oh, wow! Ah d'accord, j'ai compris, quand j'appuie sur espace, ça fait avancer, et je dois diriger avec la souris. Allez, dépêche-toi, wesh. Ok, en vrai, c'est... plutôt simple. J'ai failli me faire manger, quand même. Putain, la mécanique pour apprendre les sorts, elle est incroyable. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Stylé. Approchez-vous un peu et réessayez. Frère, tu l'as pas vu ou quoi? T'es aveugle? On va se coller, frère. C'est bon, là? Voilà. Une porte. Ah, oh. C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Ah oui, c'est le même symbole qu'il y avait sur la clé, là. Lumos. Oh le bâtard, il a Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. Et moi aussi je veux Lumos! J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Tu veux pas m'apprendre Lumos, s'il te plaît? Révélio. J'ai qu'un sort qui envoie des feux d'artifice mais qui éclaire pas. Ok, déjà on peut courir, c'est bien. Je vois quelque chose au loin. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur. Mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue? Quelle statue? Mec, mais t'es aveugle, c'est pas possible. Une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ok, pour faire le sort. J'imagine que voilà. C'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. What? Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Ah oui. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Mais j'ai pas Lumos. Ah ok, tu me donnes Lumos. Ok, on le fait. Ok. Lourd. Nickel. Maintenant on peut commencer. Ah oui putain, j'ai des sorts. Lumos, bravo. Ah ouais. Et maintenant le reflet se tourne vers moi. Ça me suit. Oui, il suit bien la lumière. Bon, je pense qu'il faut juste l'aligner avec son reflet. Ah bah attention, il y a un trépont. Wouah. Comment il est stylé. Oula. Qu'est-ce qui se... Bonjour. Attention. Protego. Wow. Attends, mais j'ai un autre sort. Action.
Wow, comment il est trop fort. Bon, je dois faire quoi là? Je les attaque? Frère, j'envoie du 3. Oh ouais, ok. Oh, j'ai compris instinct. Attends, mais mon bouclier, ça... Ah, mais qu'est-ce qu'il... Mais tu sais, Protego face aux attaques. Oh oui, d'accord. Ok, lui, il me focus là. Regardez. Protego, stupéfix. Mais attends, mais je fais stupéfix. Mais j'ai combien... Je comprends pas combien de sorts j'ai là, en fait. Ah, il est pas si fort que ça. Oh là là, c'est trop stylé. Ok, c'est le dernier, lui. Ne vous éloignez pas. Bon. Lumos. Ok, parce qu'on voyait rien, là. Wesh, il est où? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Oh, petit coffre, là-bas. Je ne vois pas où je dois aller. Oui, je vois rien, déjà. Oh, petit coffre caché. Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Oh non, encore un combat. Non. Lumos. Ah non, faut faire d'abord ça. Revelio. Je vais devoir me débrouiller. Ok. Oh, petit coffre. Encore de l'oseille, je dis pas non. Oh. Ah d'accord, je fais les trois en même temps. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Oh merde. Die. Il m'attaque dès le début. Tiens. Putain, on peut pas faire des roulades. Si on pouvait faire des roulades. Ok. Fais des roulades. C'est pas des roulades, mais ça fonctionne. Ok. Et tout à l'heure, je faisais des stupéfixes. Oh, j'ai crit là. Maintenez A lors de Protego pour contrer. Ah, d'accord. Ah, et vous me laissez l'occasion de tester. Ok, si j'ai une cible autour de moi, allez, meurs. Toi, tu vas m'attaquer, toi. Mais pourquoi t'attaques l'autre? Ok. Lumos. Ok, bon, j'ai déjà 3 sorts, hein. C'est vraiment pas mal finalement. J'ai Protego, attaque de base et Revelio. Ok. Par contre, ça c'est vraiment étrange. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est? Encore un passage. Je suis où là? Révélion. Petit Révélion, on sait jamais. Ah ah! Je le savais. Ok. C'est tout flou, on voit rien. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Oh, le gigapousse. Ah, mais il est là, lui! Ah, vous voilà. Le mec, t'étais où? Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Ah! Pour voir les souvenirs. C'est ce que Dumbledore, il faisait dans le film. Il s'enlevait des mèches de cheveux, il les mettait dans un truc. Voyons aussi. Imitez-moi. Ah, je crois qu'on avait soif. C'est qui lui? C'est le daron de Dumbledore? Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Ah, c'est lui qui s'enlève des sourcils. Ok. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien... de la magie? Des traces. D'une magie ancienne, pour être précis.
La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Oh là, c'est qui lui ? Monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Stylé. Ranrock. Ah, c'est le gobelin du début avec le journal ! On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Mais c'est qui en fait ? Pesez bien vos prochaines paroles. Voilà. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Wow, wow. Oh ! Attends, il vient de le buter ? Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Oh merde. Il y a un gobelin avec de la barbe là. Où en étions-nous ? Merde. Je ne vous donnerai rien du tout. Arrête, on va mourir. Donne-lui, s'il te plaît. Ce jeune camarade me sera peut-être... Pourquoi moi ? Donne-lui, putain ! Oh. Wesh ! Attends, le gobelin, il fait de la magie sans baguette ? Mais il est trop fou. Qu'est-ce qui se passe ici ? What the fuck ? Wow. Wesh, mais il a voulu tuer le vieux là! Oh, je me dis pas, il meurt dès le début. Oh! Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Il la faisait avec ses mains. Mais où sommes-nous? Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon, et le chemin est menant, voulait que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Oh. Oh, le train pour aller à l'école! Attends, mais c'est la vraie musique d'Harry Potter, là. Copyright. Wow, comment c'est stylé. C'est trop beau. Incroyable. Je pense vraiment qu'on en a tous rêvé de ce jeu. Hein. Wow. Par contre, il y a que des cinématiques dans le jeu où on peut jouer un jour. Non, parce que ça me dérange pas. Hein. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Oh, bon. Stylé la petite magie. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Ouais, t'inquiète, ouais. Merci. Je vais rien dire. Allons à cette cérémonie. Oh, il y a le choix pour... Ah, mais il m'a ramené à Poudlard vraiment pour... Ok. Il regarde trop mal, lui. Phineas Nigellus Black. Oh, Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. Salut. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... Ah. Des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement.
Wesh, mais il est trop méchant, lui. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Quel bâtard. Nous nous reverrons. Ouais, j'imagine bien. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. C'est qui Weasley? Oh, c'est elle! Bienvenue, vous arrivez. Ah oui, d'accord! Asseyez-vous. Oh là là, c'est le moment où il faut choisir sa maison. Oh, j'ai peur. Je stresse. Et ma tête ne me rend pas meilleure. Ah oui, wow. Vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. C'est trop bien. Oh putain, faut répondre. Ah merde, moi j'étais là en train de kiffer là. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. En vrai, je serais plus exploration moi, mais bon. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Ouais. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Qu'est-ce donc ? Mon chignon que tu as dans le cul actuellement. Pardon, excuse-moi. Oh non, ça a toujours plus de réponses, frère. Oh là là. De l'audace, de la curiosité, de la loyauté, de l'ambition. Oh là là. Serre d'aigle, ils sont adoptés, donc ils sont pas beaucoup. Gryffondor, c'est des balances. Poufsouf, c'est des victimes. Oh, c'est dur. Bon, allez. On va dire qu'on est un mec curieux, ok? Une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Oh, le menteur. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé. Ah. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Ça, c'est vrai. Et vous avez l'esprit vif. Oui. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Ah, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Et du coup, je suis adopté. Super. Ok. Vous irez à Serre d'Aigle. Ouais, bravo. C'est pas ce que je voulais à la base, mais ok, ouais! Merci. Ça se voit que je suis deg. Oh! Elle m'a ressapé! Oula, ça rame là. Encore une chose. Oui. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh la blague! Sérieux? Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Oula, vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Ouais. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Voilà, vraiment, un peu zaref. Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Salut. Je le suis également, professeur. Ah, c'est la grand-mère en de Ron, du coup. Adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Ah ouais, quand même. Suivez-moi. Directrice adjointe, putain. Oh putain, c'est bleu. Tout le monde est déjà parti? Oh. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bienvenue à Poudlard, quête commencée. Ok. Oh non, putain! Les serres d'aigle, ils dorment dans des lits superposés. Ils sont adoptés et en plus, ils ont même pas un lit solo. Ah ouais, le mec, il grimpe là, il grimpe comme un singe. Y'a même pas d'échelle ici. Ok. Faut monter ou descendre? Je suis perdu, là. Oh! Quoi, c'est fermé, genre? Ça promet d'être intéressant. Attends, on peut pas y aller là? Ok, si je m'éloigne. Ok, je reviens. Ok. Oh. Mais attends, mais c'est stylé chez eux en vrai. Ça doit être étrange. Oh, comment c'est beau. C'est censé être les plus intelligents. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, elle?
putain, des pommes gratuites, incroyable. Manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur endroit. Je sais pas si vous tentez de vous pécho, mais là va falloir faire mieux quoi. Oh le bâtard, lui il a la dalle. Lui il a grave faim et lui il a pas eu de dalle. Eh les cerdecs ils sont pas sociables, voilà. Ils sont tous posés mais ils parlent pas entre eux. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est excellent Amit, parfait. Bonjour. Eh hey, salut, tu veux jeter un œil? Non ça va aller. C'est un peu chelou de... Ok, bon je le fais parce que vraiment je suis cerdaigle et que j'ai pas le choix. Je suis Amit, c'est un plaisir de t'accueillir à Cerdaigle. Merci. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. A bientôt. Voilà le mec il a crié à la fin, je suis devant toi frère. Ok. Bonjour et bienvenue chez Cerdaigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas la faire attendre. C'est lui qui me parle. Mais on s'est déjà... Oh, je suis mort. Bon, là, il y a une fanfare. Wesh! Vos objets, ils sont allés où, là? Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Ouais, ça va, ouais. De cette journée depuis longtemps. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Vous êtes obligé de me le rappeler que je suis en cinquième année? D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Oh putain, j'arrive quand il y a le bac. J'y crois pas. Oh. Tenez, voilà. Oh, c'est stylé ça, c'est quoi? Oh non, je sais déjà ce qu'il va falloir faire. Je suis sûr qu'il va falloir retrouver les pages. Sûr et certain. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Eh, je suis beau gosse, hein, en vrai. Voilà, je l'ai rangé sous mon aisselle. Merci, professeur. T'es malade. Mais... T'es malade derrière, il est bourré, lui. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ne pas essayer de c'est lancer Revelio sur ce buste. Revelio, le guide du sorcier pourra vous en dire. Bah ça je l'avais capté. Ok, un buste sculpté en l'honneur de la maison Cerdaigle. Oh stylé. Oh, ça donne de l'XP. Les défis du guide sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ah d'accord, j'en ai une sur deux en plus. Oh putain. Défi 1 sur 2. Ah d'accord, et on gagne des choses en plus quand on trouve les pages. Donc en fait, c'est pas un truc passif du jeu, c'est un truc important. Pourquoi on est tout bleu? Y'a plus de couleur dans le jeu, ça y est. Juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette. Flammes de cheminette, c'est pour se téléporter. Putain, on n'a pas besoin de se déplacer, on pourra se téléporter. Poudlard est divisé en deux zones principales, le côté gauche de la carte, l'endroit où vivent les élèves et les profs. Ok, donc là on est là, faut cliquer. C'est là que je dois aller. Hall. Ouais, c'est là. Ah, on se fait TP direct. Ok. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Ah ouais, non mais c'est trop stylé les tableaux qui bougent et tout. Putain je pensais pas qu'il... Qu'est-ce que vous mijotez? Oh oh, je me fais juger par une statue maintenant. Voilà j'ai encore rien fait. Hi. Elle veut pas me laisser tranquille elle, s'il vous plaît. Je veux jouer tout seul, à l'aide. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château, notre garde King's Cross à nous. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Ah, nickel, c'est bon, je peux y aller. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Ah, j'avoue, ça serait bien que je puisse changer de slip parce que là... Merci. Je vous remercie, professeur Weasley. Ok, bon. Oh putain, mais faut lui parler lui aussi. Oh, c'est quoi ça? C'est une page qui vole? Eh, hey, c'est pas dans les pages que je peux attraper? Ah non. Non, je peux... Oh putain! Ça pète les yeux. Bon oui, qu'est-ce que tu veux? Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Oh, ah d'accord! Maintenant on a des symboles de quête! Ok. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et nécessitent un certain niveau. Ah bah comme le crochetage. Ok, donc là on a quoi? Cours de défense contre les forces du mal, sortilège. Oh mais je vais sortilège direct. Faut faire quoi? Ok, suivez les quêtes avec un clic droit. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Stylé. Cela me sera très utile. Ça je pense que c'est vraiment utile parce que c'est vraiment grand Poudlard là. Je crois qu'une journée chargée vous attend.
Entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Oh, c'est vrai. Attends, mais j'ai une baguette qui m'a été prêtée en fait. C'est pas la mienne. Bon. Lancer la boussole ensorcelée. What? Oh, stylé. Ah d'accord. Ok, on a un truc pour m'emmener. Pourquoi là? Wesh, je viens de faire une roulade. Oh putain, je le disais tout à l'heure en plus. Pourquoi là, ça, elle? Il a le béguin pour moi, j'en suis. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour, je m'appelle Lenora. Salut. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Ah ouais, là, tu me parles un peu bourrée, même. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Quel tableau? De quoi elle me parle? Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Quel tableau? Ah ça, mais c'est pas... Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse. Qu'est-ce commencé et que la lumière fut. Réveillon. Oh, attends, mais. Lumos. Ah ouais, non, mais là. Là, c'était évident pour le coup. Je devrais regarder s'il se trouve pas aux alentours. Oh, on voit ce truc-là là-bas, donc c'est. Ah bah, il y avait un symbole. Ok, tu peux éteindre ta bougie, tu vas passer pour un mec chelou déjà que t'es chez Serre d'Aigle. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Revelio. Oh. Oh, nickel ça. Cette statue de sourire mielleux représente Grégoire le Hautain. Nickel, donne une XP. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui là? Lumos. Ok. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ah d'accord. Le papillon s'est arrêté. Je dois peut-être continuer. Ok, oh, c'est tellement stylé. Ok, faut que je l'emmène là-bas. Les serpentards. Ok. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Récupérer les pages du guide du sorcier. Encore une nouvelle quête. Oh, je suis passé level 2. Plus 15 PV. Waouh. Ok, donc les quêtes comme ça, c'est pas du tout secondaire. C'est pour le coup vraiment important quoi. Je gagne. Je devais aller où la base? Ok. Ok. Putain, je sais. Essayez, car je sens que. What the fuck? Ok. C'était quoi ça? Ok. Wow, c'est grand. Oh, oh les bâtards. Oh, moi aussi je veux un balai. Tour de défense contre les forces du mal. C'est pas là que je voulais aller. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Elle raconte trop sa vie elle. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Wow, j'ai peur un peu. Oh oh oh! Oh, il y a un petit chat! Oh! Oh, il est trop beau! Eh, il est vraiment trop beau, hein, pour le coup. Oh là là! Oh, il est trop beau. Bon, je dois y aller, petit chat, ok? Oh là là, Mia Félix dans le jeu. Bon, ok. Oh, il y a du monde là. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Le cours, il est terminé? Oh merde, je suis en retard là. Oh non. Je crois qu'aucun directeur. C'est alors que les loups-garous. What the fuck, je suis où là? Je suis navré. Je voulais pas. Wesh. Pourquoi il y a une meuf avec une hache, elle veut tabasser un mec? Bonjour. On m'a dit que les cours étaient finis. Oh. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Oh, une griffon d'or. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Ouais. Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Oh. Est-ce que vous êtes prêts? What the fuck, c'est qui lui? Au cinquième année, une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi.
bien tout le monde. Wesh, il est trop stylé lui en vrai. Page 517. Mais avant de commencer, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Un sortilège d'attraction? Mais moi je sais pas ce que c'est. Je m'en souviens pas. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Ok. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Attendez, mais je dois faire quoi? Je dois attraper le livre dans sa main? Ah ouais, j'apprends un nouveau sort! Axio! Ah mais voilà, mais il a pas dit le nom du sort correctement aussi. Ok. Wow, wow, wow! Oh, il était chaud celui-là! Oh, il était chaud! Vous avez vu la vitesse du truc rouge? Axio! Hop! Aise. Pas mal du tout. Ouais, je sais, je suis sardé. C'est bien, vous apprenez vite. Merci. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Mmh. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. C'est qui? Ah, c'est elle. Vous avez bien. Ah, c'est la première de la classe. Bah, Gryffondor en bien, même temps. Vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Stylé. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. On va faire du Quidditch? Rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Wouah, le mec, il a construit une maison. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Mais attends, mais ce jeu existe vraiment? Je dois faire quoi, là? J'ai pas compris. Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Axio! Bien. Ok, et là, je relâche. Excellent. Ne vous déconcentrez pas. Ah merde, j'avais pas compris ça. Ok, et je rappuie. Ah merde, trop tôt. Donc, je lance le sort. Axio! Et je lâche. Très bien. Hey! Alors, t'en dis quoi? Très bien, des points pour Serre d'Aigle. Trop, let's go! Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Quoi, tu veux qu'on se tabasse? Mais t'es vu quand même. Voulez-vous bien défier votre camarade? Oh non, encore la première de la classe. Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge, compris? Compris. Par contre, c'est vraiment stylé, il y a un système de compétition. C'est parti. Oh merde. Ça va, elle avance beaucoup, je trouve. Ah, c'est chacun notre tour. Ok. Et voilà. Action! Stop. Merde! Oh! Excellent. Merde, j'ai pas de chance. Comment est-ce la pète? J'ai envie de la balayer. Putain, on va faire un ex-écho, je le sens. Ok, non, celle-là. Allez, go! Oh non, je suis une grosse merde! Impressionnant. Arrête de dire impressionnant! Oh. Mec, foire pas. Action. Allez, maintenant. Ouais! Ouais! Superbe! Voilà! Une égalité, ça me va! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Quoi, tu vas jouer avec nous? Je rigole, il joue avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le bâtard! Oh non, mais ça va être trop dur! Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Mais t'es marrant de dire ça, gros! Cette manche sera décisive. Ok. Ça va être de jouer. Inch'Allah, rate. Inch'Allah, rate. Allez! Putain, ça l'a pas touché. Merde! Et voilà. Ok, faut que je me concentre. Ok, dès que celle-là revient. Maintenant. C'est pas vrai. Ça ne me gêne pas. Oh! Oui! Yes! Ouais, c'est ça, ouais. Viens regarder, ouais, s'il y a tricherie, ouais. Non, mais elle a déjà relâché. Pardon? Non, mais ça boule. Non, mais y a triche. Oui! Chier! Chiant, trop nul. Ok, à mon tour. Allez.
On est bon. Elle l'a fait tomber, j'ai juste à les mettre. Voilà. Super. Nickel. Ouais, t'inquiète. Vas-y, à ton tour maintenant. Voyons voir. Inch'Allah rate. Let's go. Mais quoi? Non mais le jeu triche là. Non mais c'est impossible. Moi, quoi? Maintenant. Non. Oh. Oui, j'ai quand même gagné. Yes. Vous avez vu, moi, bizarrement, la balle, elle s'est arrêtée, hein. Elle est pas revenue après, hein. Bravo à vous deux. Tricheur. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Ouais, pas de soucis, ouais. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. Non, pas de problème. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. Ça a été un plaisir de te parler. Pareillement. Ah. Je sens qu'on va vouloir se pécho, je sais pas pourquoi. Vous le sentez un peu, le couple arrivé ou pas? Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh, j'ai terminé les quêtes 2 sur 2. J'ai de l'XP ou pas? Yes! Ah, je passe pas level 3? Oh la blague! Je suis en haut du level 2. Bonjour. Je dois faire quoi là? Comment se passe ta première journée? Super, bonne journée. Ils veulent trop me parler les gens, moi je suis pas votre pote. Hein. Revelio. Oh non, je suis con, j'aurais dû faire ça dans la salle par contre. Y'a rien là? Théma, il y a un coffre. Ah ouais. Non mais faut vraiment que j'apprenne le sort de crochetage. Hein. Comment je vais là-bas moi? Oh, j'ai vu un truc là. Eh hey, hey ah. Squelette d'auguré. Un voilà qui est extrêmement timide. Ok, on s'en fout. Allez, level 3. Bon, ça c'est bien, comme ça on a des stats. Ok. Oh, c'est flippant. Stupéfix. Oh. Quoi, c'est tout? Bombarde. Oh, le bâtard, il a essayé de le tuer. Professeur Ikat, soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. Oh, elle est stylée la baguette qu'elle a. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso? Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Oh, comment t'as fermé ta gueule? Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Mais là, on va faire notre premier duel. Oh, la galère du truc! Ok, t'es prêt? Allez, go. Vite. Il chasse en plus les trucs rouges derrière. Allez. Yes! Mais est-ce que c'est un dérivé du sort Wingardium Leviosa? Levioso. Allez. Eh oui, monsieur. Regarde le griffon d'or devant. Il sait pas le faire. Bien. Essayons quelque chose de plus compliqué. Waouh, ça c'est stylé aussi. Un mannequin d'entraînement. Est-ce que le mannequin il riposte ou pas? Oh. Commençons par le lancer de base. Effectuez un lancer de base en appuyant sur. Ok. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Ouais, bah il l'a absorbé carrément. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. Ok. Ah d'accord. En fait, ça c'est pour casser les boucliers. Levioso. Ok. Bien. À présent, bravo. Nice. Ok. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dueliste à oh, remarque. Un serpentard. L'art comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant les protégos. Oh, stylé la table vous qui se lève. Y aller. Stylé. Ok, donc là faut que je me protège et que je me batte. Les vioso. Ça devrait être facile. Protégo, stupéfix. Oh, oui. Allez. Toute chance. Les vioso. Là, je n'ai rien à voir là-dedans. Oh. Wesh, mais attends, mais je le fais 18 heures en même temps. Oh, je suis en train de le démonter. Levioso.
Allez. Allez, dégage. Voilà comment lancer le... Voilà. Oh, je l'ai explosé. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Eh ouais, j'ai un mec plutôt chaud. Je pense qu'on s'aime pas. T'es moi comment je suis content. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Eh, mais je vais gratter des points de ouf en fait. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. Eh, la qualité J'attends de ce jeu est incroyable. J'attends de mes élèves quand même. Qu'ils soient excellents. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, oh merde. C'est une toute autre histoire. J'avais oublié le gobelin du début. Que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Tout le monde me juge. Ça se voit, c'est tous des premières années. T'es moi quand même juge. Oh putain, il y a lui qui m'attend en plus avec sa dégaine. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Est-ce que c'était mon premier duel ? Si, c'est la première fois que je me bats dans ma vie. Ça se voit. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif. Oh. Et clandestin. Ça, j'aime bien. Oh là là, mais ça, je kiffe, hein. Non, mais le jeu... je crois qu'elle nous écoute. Je suis pas sûr. Exclusif et clandestin. Non, mais elle a coûté, mais tais-toi. Compte sur moi. Excellent. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Non, ça, j'aime que bien. Ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Merci, Sébastien. Tais-moi. Je m'en souviendrai. Elle fait trop genre, elle nous écoute pas. J'étais ravi de discuter avec toi. Ah bah on a fini de parler, elle est partie. Ok, quête terminée. Nickel. C'est stylé. Ok, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une nouvelle quête ou pas? J'étais pas censé aller après Olar, moi, à un moment donné. L'après-cours de Weasley. Oh. Ah ouais, non, la cour est quand même plus intéressante comme ça. Ah oui, j'aime bien. Ok, faut aller là-bas. Oh, petit minou, t'es venu là? Réveillon. Ok, un petit réveillon parce que je l'ai pas fait. Ok, un truc là. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour. L'après-cours de Weasley. Oh putain! Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, c'est stylé. Oh, excusez, Chick. Oh là là. Ah, vous voilà. Oui, c'est moi. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Stylé. Oui, très bien. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Ah, c'est à cause de vous. Ok. Oui. Quoi ? Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires. Voilà. Professeur. Vous trouverez le temps. Croyez-moi. Comment ça ? Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. Ouais, mais non, mais là, j'ai un Poudlard en entier à vérifier, j'ai pas le temps. Vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Lala. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Ça, c'est un sujet intéressant. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasorts. Des créasorts. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. En vrai, j'ai hâte de fou d'avoir ma baguette, clairement. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. Oh putain, le choix, il est trop dur. Donc c'est soit ma future meuf, soit le mec avec qui je vais me faire de l'oseille de fou, dans des clubs clandestins. Eh, le choix habitué. J'aimerais y aller avec Sébastien. Bah, ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood, c'est un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Je suis mineur, hein. Ah non, j'ai 35 ans. J'avais oublié. Oh! Ok. Il faut encore ouvrir le journal?
Ah, d'accord, donc j'avais des objectifs pour une première journée, j'étais pas au courant. Parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir. Ah bah des devoirs en fait, c'est des sorts. Il y a un truc là. Eh hey, hé hey. Métamorphose partielle. Cette tasse de thé à moitié métamorphosée, sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de deuxième année. Ça se loot ça là-bas. Potion Wingenweld. Ah, c'est la potion de soin. Ok, ça s'appelle comme ça. On va aller voir ce Ronan, il veut m'apprendre un sort. C'est lui ? Ah oui, c'est lui. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre ? Wow, ça rame là. Et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe, c'est le jeu qui a décidé de ramer d'un coup. Plus, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Mais enseigne-le-moi maintenant, je suis là. Mais je comprends pas, attends, il me l'apprend pas ? Eh. Rebellio. Qu'est-ce que... J'ai pas compris, qu'est-ce que je dois faire ? Récupérer la page volante près de la statue brisée. Quoi, comment ? C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai un nouveau sort. Et voilà. Oh. Ok, je l'attrape avec un sort, on n'a rien vu, mais tranquille. Ouah, ça rame. Waouh. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Franchement, le devoir est plutôt voyons simple. Comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation ? Ah, ça va être un truc. Oh, ouais, je savais que ça allait être une dinguerie. Ok. Ah, ouais, il y a d'autres touches. Ah, d'accord, les QTE, ils vont changer en fait. Oh mon dieu. Ok, c'est parti. Allez, allez. Allez. Ok. Très bien. Yes ! Allez ! Voilà. Ok, je pensais que ça allait être simple du début jusqu'à la fin, mais en fait non, ils vont commencer à mettre plein de touches. Oh la dinguerie ! Le sortilège de réparation sert à réparer des objets des endroits cassés de votre environnement. Oh, mais comme le mec au début, je peux réparer des ponts, des trucs et tout, non ! C'est trop stylé. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Dans l'alcôve près de l'eau. Le conduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas ? Stylé. Revelio. Oh ! Mais je suis revenu au début. Mais en fait, c'était juste. Ah ! Viens là, toi ! Ok. Ben voilà, nickel, j'ai eu les 8 pages. Bon, du coup, faut que je sorte par là. Réveillons. Oh, mais il y a trop de serrures. Oh. Oh, petit passage secret. Tenue d'élève fantasy. Qu'est-ce que c'est, ça? Attendez, on va voir. Tenue d'élève fantasy. Oh. Ok, il n'y a pas trop de changements, mais c'est plus joli, on prend. What the fuck? Il vient de lui mettre une patate là. Non mais le Poudlard il est énorme. Pourquoi il y a un chat là après? Ah mais en fait devant tous les bocaux comme ça, il y aura un truc. Oh, level 5. Ok. Ok, il est là lui. Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. Mais je suis pressé d'y aller. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. Ok. Je pense que tout le monde attendait Préolard. Hein. Oh. Ok. Stylé. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Putain, je suis enfin dehors. Merci d'ailleurs. Ils font quoi là? Ils jouent à la batte? Personne à m'avoir battu dans un tournoi. Ah ouais, depuis qu'il n'y a plus de Quidditch. De garder un œil sur toi. Putain, c'est vraiment stylé. J'ai jamais vu un extérieur de Poudlard comme ça. Oh, oh le phare! Le Quidditch! En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Ouais, et alors t'es jaloux? Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Regarde, mec! Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit. J'ai tellement envie d'y aller. Tu passes beaucoup de temps en retenue. C'est incroyable. Eh hey, merde! J'ai pas fait mon sort depuis le début. Oh non, il devait avoir des trucs à l'extérieur de Poudlard, je suis deg. What the fuck? En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une. Ok.
Wesh. Content d'avoir pu te rendre service. Il est où ? Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Ok. T'as le droit de penser ce que tu veux, frère. Oh. Un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Je kiffe. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. Oh, putain. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Oh, comment c'est... Oh non. C'est incroyable. What the fuck? Oh, ok. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Oh, j'ai débloqué le TP. D'où le nom. Exactement. Oh, j'ai tellement envie d'y aller. Je pense que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, il devrait avoir confiance en nos techniques défensives. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. On peut voir Préolar un peu plus loin après Sirvin. Ça a l'air vraiment stylé quand même. Tain, ça se balade et tout, hein. C'est vraiment un open world. Hein. Tu peux aller où tu veux, c'est incroyable. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. C'est stylé. C'est incroyable. Oh, des champignons. Venez là. Daisy, chance. Et voilà. Bon, la musique a s'arrêté d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la pluie. Même lui ne me parle plus. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Et les toi, chevaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est des sombrales. Malheureusement. C'est que les chevaux comme ça que vous en avez vus tout à l'heure, en fait, ils sont invisibles. Et seuls les gens qui ont vu la mort peuvent les voir. Et le mec, il s'est fait déchiqueter au début par le dragon, bah il est mort. Donc du coup, grâce à lui, on peut le voir. Oh. Attendez, on arrive là. Oh là là, c'est stylé, Préolar. Une page. Tiens, attends. Nickel. Oh, petit coffre. Je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais. Ah ouais, raconte-moi ta vie, ouais. Oh, une petite tenue encore. C'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Oh, c'est stylé. Oh, ça fait des potions pleine rue. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Oui. Des graines de dictame, quelques créasors et des recettes de potions. Parfait. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. C'est bon frère, on a compris, vas-y, va faire tes bails. Ok. Oh oui, d'accord. Oh là là, oh, il y en a des choses. Oh, il y a un coiffeur, on peut changer de coupe. Oh, magasin de Quidditch. Bon, balai, magasin de balai. Il faut que j'aille faire quoi en fait? Je sais pas, visiter Tom's un parchemin. Ok. Tiens, faut que je revienne en arrière. C'est là, non? Voici un esprit curieux. Non, j'ai pas eu le choix. Revelio. Oh. Oh, il y a du coffre, là. Oh, oui. Bonjour, je reviens. Gilet. Putain, non, mais ça, il doit avoir un sort pour ça. Je sais pas ce que c'est. Désolé, je me suis permis. C'est quoi, ça? Je peux le prendre? What the fuck? Oh mais c'est incroyable. Oh, petit parchemin là. Mais du coup, oh, action. Viens là toi. Oh, j'ai une carte. Ah ouais, d'accord. Aucun rapport, c'est même pas un livre pour Rebellion. Il y a un truc de... Ah oui, d'accord, il y a un coffre là. 31 galions, je prends. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Okay. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. C'est quoi des créasors, en fait, monsieur? Parce que je sais pas. Les créasors permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Regardons un peu ce que nous avons. C'est quoi des créasors de petits pots de potions? Ah mais d'accord, mais c'est des plans des créasors, putain. Permet d'invoquer un petit pot de potions. Ok, ah mais c'est gratuit. Yes! Utilisez-la pour faire pousser des plantes magiques. Oui! Si ça vous intéresse,
Ah mais frérot, mais ça coûte cher. Wesh, 1200. J'ai combien d'oseille? 337. Ah ouais, en plus on a tout trouvé par terre. Je me casse. Où est-ce que je dois aller? Oh non, il monte sur un balai. Oh, c'est stylé. Mais attendez, mais du coup on peut pas aller dans le magasin de balai? Putain, c'est verrouillé. Non, moi je crois dans le jeu tu peux pas voler en fait. Alors, faut aller chez Ollivander, potion pipin et navet magique. Ok, ouais, chez Ollivander c'est tout petit. Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, oh non, la cinématique buggée, je vous en supplie. Un instant, je vous prie. Bonjour monsieur, je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Putain, Ollivander, il a bien changé, oui, hein. J'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Ah oui, d'accord, ok, c'est la même famille, parce que je me suis dit, putain, Ollivander, il a 300 ans, miskin. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Ok. Non. Oh là là, comment j'ai hâte. Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Essayez donc celle-ci. Oh, elle est belle la baguette en vrai. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Oh. Oh là, oh là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. Il m'a pris une boîte verte, il m'a pris une boîte serpentard. Je suis Serdaigle, frère, prends une bleue. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh, mais le jeu, il a vraiment un problème. Hein. Des fois, c'est fluide, des fois, c'est pas fluide. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Oh, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Est-ce qu'elles se ressemblent toutes? C'est sûr, je vais faire une dinguerie. C'était prévu. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Comme c'est curieux. Où es-tu? Elle était perchée. Voilà. C'est laquelle? Hey, il voulait que des boîtes vertes, hein. Oui. Je crois que j'aurais dû être serpentard de base. Je crois que tu seras la bonne. Prenez-la. Spirale légère. Oh. Ah mais attendez, faut la configurer nous-mêmes. Oh merde. Étrange. Très étrange. Ok, on va garder ça, j'aime bien. Ok, faut choisir le cœur qu'il y a dans le truc. Cœur de dragon, crin de licorne, plume de phénix. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Ok. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Bon, ça va, on s'en bat les couilles d'être loyal, c'est pas ce qu'on demande. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. De l'initiative? Bon, allez, on va aller sur dragon. Hein. Étrange, très étrange. Alors, qu'en dites-vous? Oh, elle a la classe, la baguette, en vrai. Elle est pas mal, franchement. Elle est vraiment stylée. Oh. Un peu grande, la baguette, quand même. Hein. Voilà, c'est une épée, là. La baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Stylé. J'en oublie que c'est une vidéo, hein. Je vais pas vous mentir, là, je suis tellement à fond. T'es juste en full découverte, c'est incroyable. Là, je vous jure, je kiffe. Juste, des fois, le jeu, il rame, je sais pas pourquoi, c'est un peu chelou, mais ok, tranquille. Bienvenue chez Potion Pipin. Bonjour. Attendez. Rébellion. On fait les trucs habituels avant de... Cimer... Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Laowang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. C'est parce que j'ai un chignon que tu penses que je suis une meuf, ou c'est comment, là? C'est la première fois que je viens après Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. Ok. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions?
Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Je suis juste pressé d'apprendre les potions de soins. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Oh là là, quel jeu. Recette de potions de Wingledon. Ah, j'avais raison ! C'est celle-là qui guérissent ! Ok, donc maintenant j'ai la recette. Potion Edurus, la recette d'une potion qui recouvre la peau de celui qui le boit d'une couche rocailleuse. Ce qui le protège de toute blessure. Bah attends, mais c'est une immunité là ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps. Oh, 1200, non mais vous abusez sur vos prix, mais c'est pas possible. Oh, mais ça, c'est les trucs que je ramasse depuis tout à l'heure. J'ai ramassé ça et ça. Attends, mais on peut revendre, ça veut dire ? Oui, vendre objet ! Mec, mais c'est incroyable. Attends, mais j'ai chopé trop de trucs, il faut que je vende des choses, hein. 90, 90. Attendez, mais là, on a des objets avec des stats. Vous êtes en train de me dire que c'est pas uniquement cosmétique ? C'est une blague. Oh merde, je viens. C'est ouf. Ok, merci. Merci, bonne journée. Waouh. Ok, le jeu a l'air vachement complet. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu vas te calmer toi. Ok, navet magique, c'est par là. Oh, viens là toi. Merde, j'ai pas fait ça dehors. Y'a rien là. Oh, petit coffre là-bas. Oh, le son que j'ai tapé. Oh, y'a plein de trucs. Chapeau de sorcier épouvantail, nickel ça. Je peux rentrer chez les gens? Oh, oh non, mais c'est une... Mais attends, mais tu peux rentrer chez les gens, là? Bonjour. Ah oh, ouais, d'accord. Oh, oh la dinguerie, mais t'aimes-moi ça. Putain, ce jeu est trop bien fait. Ça, c'est pas un truc pour cracher dedans, ça? Ouais, je crois bien. Bon, ok, je ressors, monsieur, désolé. Bonjour, bonjour. Ah bah. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ça, ça doit être pour la botanique, ça. Dame pour l'élève de cinquième année. Alors, c'est vous ? Laissez-moi deviner. Ok, vous cherchez qu'il faut j'achète. Quelque chose d'inédit. Un plant de dictame dans un pot de petite taille. Je sais pas ce que c'est. On achète. Ah, il est là, lui. Oh, c'est quoi là-bas ? C'est stylé. Oh, oh, c'est le magasin de bonbons, ça. Oh, oh stylé, c'est quoi ça? Ok, on voit rien du tout, c'est ok. Oh, on peut manger? Bah attends, mais je mange gratuit là. J'ai rien fait hein. Je fais que goûter. Oh, Fizz with Bees, délicieuse confiserie dont elle raconte qu'elle contient des dards de Billywig. Je ne sais pas ce que c'est, mais on peut tout manger. Et gratuitement. Oh, wow! Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, je fais une overdose là. Je reconnais. Oh, on peut vraiment tout manger, mec. C'est incroyable. Oh. Et est-ce que j'ai vraiment volé des galions devant lui là? Il s'en bat vraiment les couilles, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Je réglisse. Ça va être dégueu, ça. Wow! Oh putain! Oh c'est incroyable! Oh ça me fait péter un câble, j'ai envie de... D'Expelliarmus! Oh pardon, désolé, je me suis emporté. Bon, je dois aller où à la base? Ah oui, j'allais voir ce mec là, là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ils font quoi les petits là? Vous êtes chelous un peu les mecs, hein, je... On peut pas les tabasser vite fait, hein? J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Oh, qu'est-ce que... Il se passe quoi là? Oh! Waouh! Oh putain, ça blague plus. Hé, hey, il a les trucs rouges comme le dragon et tout. Waouh. Pourquoi j'ai lancé un sort? Non mais je rigole hein. Ok. Waouh. Oh oh. Oh, contrôle esquive. Ok. Oh, j'ai eu chaud. Oh oh. 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 Oh putain, mais il faut vraiment l'attaquer. Est-ce qu'on l'a fait plier au moins un peu? Continue. On finira par l'avoir à mesure. Ouais. Pourquoi c'est moi qui vise?
Protego. Oh putain! Oh, le bouclier sert à rien! W lancer magie ancienne! C'est quoi ça? What the fuck? Die! Attends, laisse-moi apprendre à jouer! C'est trop dur! Ok. Qu'est-ce que c'était? Oh! Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh putain, faut que j'arrête de faire ça! Oh, pardon. Ok. Prends ça dans la gueule! Oh, je me trompe de touche! Die! Je suis vraiment trop nul! On fringo! Dans ta gueule! Oh, mais ça marche bien! Il fait blé! Mais pourquoi il veut comme moi? Oh, c'est vraiment stylé quand on lance les objets! Oh, désolé! Ah, quand il tombe le décor, il est stun! Oh, on l'a démonté! Invoquer de la magie ancienne? Mais je suis qui, moi? What? Wow! Bah attends, mais je suis super fort, en fait! Par Merlin, un deuxième troll? Oui. Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? Oui. J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui. Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Et voilà, ça commence à me donner des missions. Et je vous rappelle que je suis encore à l'école, hein, même si j'ai votre âge. Ce qui est très bizarre. Ouais, je vais apprendre à faire ce sort. Qu'est-ce que c'est ça? Ils veulent que je fasse quoi, en fait? Oh, réparer les... Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. On va aller voir, ok. Oh, hey, il veut donner de l'oseille, là. Oh, what the... Voilà, il est rentré en embrouille. Oh. Le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Stylé. Oh, le L7. Ah, mais en fait, on gagne que des PV. Je pensais qu'on gagnait de la puissance, mais pas du tout. Bon, et si on faisait tous ces sorts? Ah, c'est pas ce sort. Non plus. Réparo, c'est quoi? Réparo. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Wow. C'est vraiment stylé. Hein. Stylé. Il y a encore un truc à réparer? Ah oui, merde. Oh putain, c'est un immeuble là. Ça va, Minou? Réparo. Pourquoi c'est moi qui répare? Oh la dinguerie. Ça, c'est... What the fuck? Ok. Ah d'accord, il me bloquait le passage si je réparais pas. C'était une prise d'otage, en fait. Ok. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Bonjour. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter, Augustus Hill. Oh, il va pouvoir nous faire de l'équipement. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolar en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Donne des trucs gratos, s'il te plaît. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Mais de ouf! Mais je suis grave chaud! Non, monsieur, mais mes couilles, ouais! Donne! Merci, monsieur Hill. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Oh! Ça donne 5 points en offensive! Et c'est un blason 1. Mais je sais pas ce que ça équivaut à quoi! Oh, les dents! Oh, il y a des trucs légendaires! Ok, donne ça gratuitement. Oh, ils veulent me forcer à la mettre. Ah, ok! Statistiques de défense et d'attaque. Sélectionner l'emplacement de cap. Oui, je sais, ok. Tenue d'élève fantasy. Il y a que de l'attaque en fait. Et en défense. Bah, ça dit rien. Oh, il y a des dingueries. Ça coûte que 500, hein. On verra plus tard, ouais. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ouais. Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. C'était pas très utile, on va pas se mentir, hein. Les trois balais sont par là. Oh, oh, je vais péter. Oh! Oh, c'est stylé ça! Ah ouais, la dinguerie. En vrai, ce style, je suis ok. Hein. Ok. Bon. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Ah oui, non, mais c'est en fait, on va vraiment au bar quoi. En fait, lui, son objectif depuis le début, c'est qu'on se bourre la gueule quoi. Quoi, on a juste vu un chapeau, ça fait quoi? Oh merde. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolar. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion.
Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Oh, c'est le Rookwood, c'est lui ! Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Voilà, sale chien. Je crois qu'il nous a Allons-y. Vu. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, il nous a pas non, vu, t'inquiète. Je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rookwood ? Ranrock est de mèche avec Rookwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Il faut qu'on se rende aux Trois Balais. Oh, la dinguerie. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance. Oh, mais il y a des gobelins partout, en fait. C'est qui, lui, encore ? Ah ouais, maintenant, j'ai peur de tous les gobelins que je croise. J'avoue, on peut faire confiance à aucun gobelin, là. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Oh. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Pourquoi dis ça, moi je m'en tape, moi. Abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Ouais, mais il nous récompense avec de l'alcool. Bravo. Excellent. Des trolls après Olar? Ça n'était jamais arrivé. Comme par hasard. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement. Je suis dans la merde. Oh, quand putain. On parle du loup. C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Bon. Comment t'as calmé à votre Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Oh, pourquoi moi ? Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Oh. Ah oui, il y a du monde. Voilà. Je répète, cette personne est occupée. Viens, Théophilus. Les Trois Balais, ce n'est plus ce que c'était. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Pourquoi il me menace ? Je le connais même pas. Putain, on nous a mis dans la merde. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Mais c'est ta faute, je le connais pas, moi. Vous deux, Rookwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Ouais, d'accord. Ouais. Des trolls, Ranrock et Rookwood. Qu'est-ce que tu me caches? Mec, j'en sais rien du tout. Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, je pense que pour aujourd'hui, cette aventure a plutôt bien... Oh là là, ça fait rep un peu, hein. C'est lugubre. Bon mec, on peut pas con... What the fuck ? Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rookwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rookwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Ok. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Franchement, rentrer en pleine nuit, c'était pas la meilleure idée qu'on avait eue. Hein. Vous devez retourner dans une salle commune pour la nuit. Accéder à votre carte. Ok. Ah, ils veulent qu'on se déplace. Non, non, laisse-moi voir des trucs. Il est où mon dortoir? Oh. Ok, on reprend dans les dortoirs. Et il n'y a toujours pas d'échelle pour monter. Oh, mais j'avais pas vu, il y avait un hibou. Oh, il est trop beau. Oh là là, regardez comme il est trop mignon. En plus, il me suit du regard. On va t'appeler Bibou. Vous avez reçu un hibou express. What the fuck? Sérieux? Lire le courrier. Mais voilà, mais dans le jeu, on reçoit des lettres. Mais c'est incroyable. Professeur Fig, venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Le médaillon? Ah, il parle de la clé. Ok. Moi, je trouve le jeu incroyable et on va s'arrêter ici pour cette première partie. Si vous voulez une partie 2, je compte sur vous pour me prouver que vous avez envie de voir la suite. Salut !